Commençons notre marathon pour gagner de quoi acheter un cadeau d'anniversaire pour notre ami. Vendre des cheveux, une course sur des chaises, des effets spéciaux incroyables et même des bisous. Que feront nos personnages pour arriver à temps? Regardez ce qu'il a publié sur sa story Instagram aujourd'hui. Je me demande où c'est. Oh les mecs, on a oublié! L'anniversaire de John approche. On n'aura pas le temps de se préparer. On dirait que les amis n'ont pas beaucoup d'idées. Je sais. Prenons un pot vide et écrivons les options de cadeaux sur des papiers. Voilà du papier et un stylo pour toi et pour toi. Allez. Ok, on peut essayer. Un rat tout mignon. Mais est-ce qu'il est prêt pour ça? Bruno propose un scooter. Et Eva voit plutôt grand. Ce sera une voiture. Mais une fois qu'elle a jeté un coup d'œil à son portefeuille, elle change d'avis. Secouons! Et la chance décidera pour nous. Prenons-en un. Tada! Un scooter! Mettons la main à la poche. Oh, c'est tout ce que j'ai. Et je n'ai que 10. Et moi, je suis à court d'argent. Ça suffira pas pour un scooter, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on fait? On va devoir travailler. Bienvenue dans les films Super 8D. Vous allez ressentir un ouragan d'émotions, des animaux incroyables. Mais vous devez d'abord payer. Entrez! Ouais, notre premier visiteur. Quel endroit insolite! Et les lunettes sont cool! Les amis sont prêts! Un tremblement de terre, une pluie battante, un ouragan, et même un dinosaure presque réel. Tout comme l'annonce le disait. Mon adrénaline a grimpé! Impressionnant, j'ai adoré! La ville est-elle en danger? Martin a décidé de décrocher un emploi de super-héros. Mais il donne des flyers à la place. Parce que ça paie assez bien aussi. Prenez-en un! Bruno a décidé d'aider les gens à un prix raisonnable. Et on dirait qu'il a déjà choisi son premier client. Salut! Qu'est-ce que c'est? Vos lunettes sont sales! Et voilà! Maintenant, payez! Oh, vous êtes tellement bizarre! Hé, hey, vous allez où? Un matin après une soirée amusante n'est jamais très bon. Et on dirait qu'une catastrophe naturelle s'est produite ici. Je dois appeler un service de nettoyage avant que ma femme ne revienne de son voyage d'affaires. Salut, j'ai besoin de vos meilleurs professionnels. Venez tout de suite! Et voici Eva. Elle veut vraiment gagner de l'argent pour le cadeau. Entrez, j'ai besoin de tout nettoyer en 1 heure. Bien sûr, compris. Oh, ça va prendre 1 semaine, je peux pas. Ou alors... Prêt, merci beaucoup. Voilà. Hey! C'est une affiche! T'es une arnaque! Qu'est-ce que c'est? Oups! Allez, rends-moi mon argent! Rejoignez notre course géniale! C'est abordable! Venez tous! Seulement 5 $! C'est bientôt! Allez les gars, tu veux faire un tour? Au centre-ville? Ouais? Toi aussi? Eh bien, c'est parti! Prêt? Non, je veux pas! Laissez-moi partir! Aidez-moi! Aidez-moi! Ce pigiste occupé n'a aucune idée que Bruno est proche et prêt à l'aider. Vous faites quoi? Je peux vous aider à être cool! Payez-moi! Non, allez-vous-en! Le client n'est pas heureux. J'ai besoin de trouver quelque chose de différent. Quel cinglé!
Bruno a apporté un nouvel appareil. J'espère que notre mec va l'aimer. Toi encore? Paye-moi! Ce ventilateur va certainement le refroidir et lui faire payer. Je suis soufflé! Éteignez ça! Payez-moi! Non! Ok, bien, voilà. Du rap et du hip-hop pour de l'argent. Martin a décidé de gagner de l'argent en rappant. Mais pas de fans de son art à l'horizon pour l'instant. Et là, il y a pas mal de haineux et ils bombardent le musicien avec des légumes. Hé, hey, pourquoi moi? Ne faites pas ça! Arrêtez! Oh, ça fait mal! Lors du bombardement, Martin a trouvé un moyen de gagner de l'argent. Je serai riche, très riche! Regardez mon offre! Des légumes frais, directement de la ferme, très abordable. Oh, merci! Voilà! Et voilà de la nette en cadeau! Et prenez encore des pommes de terre, merci! Quelle famille parfaite! Un papa attentionné lit un livre à son petit ange. Chérie, voici notre nouvelle babysitter, Eva. Dis-lui bonjour. Fais attention. Bye bye. On dirait qu'une transformation totale est sur le point de se produire. Pourquoi t'es si ennuyeuse? On s'amuse pas? Attrape ses oreillers! La pauvre Eva est sur le point de s'effondrer. Chérie, qu'est-ce que tu fais? T'es de retour! Ce gars à la table voisine ne parvient pas à terminer un niveau difficile dans son jeu vidéo. Ça va pas? Bruno est déjà sur l'affaire. Je vais t'aider! Il relève habilement tous les défis et gagne. Ses compétences ont finalement été utiles. Impressionnant. Merci mon pote. Maintenant, donne-moi de l'argent. Hein? Peu importe. Bye. Oh mec, mon travail d'assistant s'effondre. Oh, on dirait que quelqu'un a vraiment besoin de mon aide. Eva a trouvé un emploi dans un magasin, mais il n'y a presque pas de clients. Et elle ne va pas gagner beaucoup d'argent de cette façon. Oh, j'ai une idée! Yes! Je vais vendre des bisous pour 1 $. Salut! Envie d'un bisou? Pourquoi pas? J'en veux un aussi! Fermez les yeux! Bonjour! Bonjour! Je veux même pas me rapprocher de celui-ci. Tu y vas! Martin a trouvé un emploi dans un salon de tatouage. Et voilà son premier client. Salut! Salut! J'ai apporté un dessin. Je veux cette chouette sur mon bras. Magnifique! Bien sûr, ça sera facile. L'argent d'abord. Voilà! Ça coûte plus que ça. Ok, très bien. Prenez place ici. Ne regardez pas, ça va être une surprise. Très bien. Les compétences artistiques de Martin n'ont rien de spécial, mais il fait de son mieux. Et voilà, terminé, regardez. Quelle horreur, ça ne ressemble même pas à un hibou. Calmez-vous, ne vous inquiétez pas. Tournez-vous encore une minute. Hey, hey, mais qu'est-ce que vous avez fait? 10 $. Les chauffeurs de taxi sont fous. Je vais commencer un service de taxi abordable. Je vais y aller avec vous, c'est moins cher. Non, on doit suivre cette voie. Je suis pressé, bien sûr. Voici votre transport rapide. Ok, c'est parti. Montez.
Pour faire courir Martin plus vite, il faut mettre de l'argent devant lui comme une carotte devant un cheval. Non, ça suffit, je peux pas faire plus longtemps. Bruno a vu beaucoup de choses inutiles dans sa chambre et a trouvé un moyen de gagner de l'argent pour le cadeau d'anniversaire. Une vente d'appartement pour ses voisins. Maintenant, c'est créatif. Mes prix ne sont pas très élevés pour que je puisse vraiment tout vendre. Non, personne ne va acheter ça pour 10 dollars. Et voici les premiers clients. Les voisins sont prêts à tout acheter quand les prix sont si bas. Tout se vend comme des petits pains. Oh, j'ai pas de coussin à la maison, parfait! L'appart de Bruno sera bientôt complètement vide. Hey, tu m'as rien laissé! Les clients excités ont presque fait sortir le propriétaire de l'appartement. Remettez-moi, je suis pas à vendre! C'est bizarre. J'ai vendu beaucoup de trucs et c'est toujours pas assez pour le cadeau. Bruno a trouvé un emploi de maquilleur dans un salon de beauté. Pour dire la vérité, son expérience est très petite. Asseyez-vous. Bonjour, voici l'argent. Je veux quelque chose d'époustouflant. Je vais à la fête de mon ex. Le pauvre Bruno a perdu ses lunettes et essaie de se souvenir du visage de la fille au toucher pour qu'il puisse la maquiller. Génial, on va tout faire, je reviens tout de suite. C'est un peu haut. Pour le moment, Ellie n'a aucune idée qu'elle a tout gâché avec un seul mouvement. Eh bien, on y va. C'est quoi ça? En fait, c'est quelque chose de spécial. Eva ferait n'importe quoi pour sa meilleure amie. Elle vendrait même ses superbes cheveux pour lui acheter un joli cadeau. Ça paye plutôt bien. Est-ce que ça va être assez pour un scooter? Mes cheveux! Reviens! N'est-ce pas cool? Ouais, c'est pas tout neuf, mais c'est mignon. John arrive, cachez le cadeau! Salut Johnny, joyeux anniversaire! Salut, regardez ce que mes parents m'ont offert. C'est pas génial? Bruno, emmène ça quelque part. Et voici pour toi un grille-pain. Et une belle théière. Et il y a du thé dedans. Vous avez aimé nos façons de gagner de l'argent pour un cadeau d'anniversaire? Alors dites-nous ci-dessous quelles jeunes entreprises sont les plus réussies et partagez vos idées sur les façons de gagner de l'argent. Écrasez ce bouton pour vous abonner, likez cette vidéo et cliquez sur la cloche. Ne manquez aucune vidéo fascinante de Woohoo Wa Motion.